Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Aujourd'hui, je vais te montrer ma recette de poulet basquaise. Alors, c'est peut-être pas la recette la plus classique, c'est peut-être pas la recette la plus traditionnelle, mais c'est celle que je fais d'habitude. Parce qu'on est au début de l'été, on a des tomates fraîches, on a du poivron, donc on va pouvoir se faire plaisir. Pour cette recette, il va te falloir 2 cuisses de poulet, 500 g de tomates, un poivron rouge, un poivron vert, un oignon, du sel, du poivre et du piment d'Espelette. Première étape de notre recette, on prend un oignon et on va l'émincer finement, comme d'habitude. Hein. Voilà, je le garde de côté. Ensuite, je vais couper mes tomates. Donc, vous voyez ce qu'on va faire, c'est vraiment s'occuper de tous les légumes. Et ensuite, on n'aura plus qu'à la passer à la cuisson. Je garde tout ça de côté. Et enfin, dernière chose, les poivrons. Donc, j'enlève les graines comme ça. Vous avez les graines. Je vais couper des petits carrés assez grossiers, on va dire. Et enfin, l'ail, on va le couper en deux et on va l'écraser tout simplement. Alors, une fois qu'on a tout ça, on va passer à la cuisson. Donc, un petit filet d'huile d'olive. Une fois qu'on a les chaudes, j'en rajoute mes oignons. Faire venir environ 5 minutes. On attend qu'ils soient bien translucides et ensuite, je vais les enlever. Je rajoute mon poulet. Je vais bien faire revenir sur toutes les pattes. Je rajoute mes oignons, mes poivrons et mes tomates. Petite touche de sel et de poivre, un petit peu de piment d'Espelette. Et là, on va laisser cuire. Je vais couvrir même pour. Allez, on est sur une cuisson d'environ 30 minutes. 30-40 minutes. Voilà, on est bien. Ma recette de poulet basquaise est terminée, je vais pouvoir déguster. Merci à tous d'avoir suivi cette recette de la cuisine de Clément. Tu peux liker, ça t'a plu, tu peux même t'abonner. Mon Twitter, mon Facebook et mon Instagram, c'est dans la barre d'infos comme la recette. Très bonne journée et à la semaine prochaine. La musique. Oui, la musique, la.